Voilà, bonjour YouTube, bienvenue pour cette rediff. Donc je vais tester un serveur GTA, tu vois, mais tu vas voir le style, il est trop bien. Je vends déjà du rêve, tu vois. Donc voilà, comme tu peux voir, bah, j'ai acheté un melon, hein, ça c'est normal. Mais voilà, il y a un petit sac à dos, tu vois, privé, un petit phone avec non, enfin voilà, tu verras. Et le téléphone est plutôt pas mal. Donc là, tu vois, je suis vraiment juste, je dis beaucoup, tu vois, hein, faut essayer d'éviter. Hein. Enfin bref. Voilà, donc ça ressemble vraiment au début du jeu, hein, comme dans le GTA V. Et voilà. Donc moi je m'étais arrêté là. Voilà, j'ai juste vite fait déjà vu un petit peu comment ça ressemblait, et quand je vois déjà à quoi ça ressemble, je me dis, mais waouh, trop bien. On peut même avoir un gant, un gang, un gant. On peut avoir un gang, tu vois, ça coûte 50 000 dollars. Donc là, vous continuez tout droit, click and buy. Ok, donc ça c'est pour acheter les maisons. Ouais, ok. Pour acheter du coup des items et you can also create a gang. Donc là bah, aussi on peut créer un gang. Ah c'est pas là où on se cache. Genre on se cache à un endroit, on fait péter la porte et on récupère la thune. C'est peut-être là en fait. Ah non ça c'est quand on ouvre la porte. Porte qui a été faite avec une porte en fer hein, quand même. Alors c'était donc là ils nous disent que en gros c'est fait avec des ah merde des Je suis un peu le micro. Des armes. Voilà, putain, je cherchais, mais c'était marqué devant. Donc, you shoot by right click. Spécial carabine. 30 sur 30, ok. Un shotgun, donc de 8 sur 8. Un sniper qui a 6 de munitions, un minigun. Donc là, je pense que je peux pas. Ouais, je peux pas les récupérer. Ok, donc là, on sort, et c'est là où on se fait agresser en fait par les flics. Donc, qui arrive et qui nous tire dessus, ça c'est une boîte qu'on peut récupérer, non? Ok, non. Peut-être qu'au début on peut rien récupérer, je sais pas. Some block can be broken. Donc, il y a ces blocs-là qui peuvent apparemment être cassés en utilisant lance-roquettes ou sticky rimat explosive. Enfin, voilà, une C4. On peut péter de la cobble. Ensuite. Il y a le système, ouais, d'étoiles. Évidemment, il y a le système avec les étoiles. Donc, si on s'en prend trop plein la gueule, voilà. Ah non, attends, ça, du coup, c'est pas mon fric, les pièces jaunes. Je sais pas du tout ce que ça peut valoir. Donc, on a les étoiles. Ensuite, quand on est recherché, cops will... Donc, ouais, les flics vont nous chasser. Jusqu'à qu'on disparaisse sûrement de leur truc. Hein. Scanner. Do a crime for a brand, unwanted your level. Ok, donc là, faut éviter d'être un criminel, tu vois. you can also bribe the police in the civilian app. Donc, attends, bribe, normalement, si je me trompe pas, je vais quand même vérifier. Peut-être qu'il y a moyen de faire flic, en fait, parce qu'il y avait ça aussi dans... Corrompre. Ah non, ok, corrompre. Attends, j'ai oublié d'enlever... Celui-ci, voilà. Ok, désolé pour ce petit hop, ce petit problème. Voilà. Donc, voler des véhicules pour aller plus vite ou en sécurité, sûrement. C'est ce qu'ils disent. C'est stylé quand même. On peut pas monter dedans. Want to start. Ok, donc là, pour start, pour commencer. Ok, bah parfait, j'ai TTP. Encore en bêta, ce que je vois. Alors là, il y a du stuff. Je vais pas le prendre. J'ai envie de tester un peu les... Qu'est-ce que c'est ça? Pour ça, pour vendre des items. Ok. 1 $? Non, eh. Rends-moi ça. Non, je peux pas mon téléphone, dommage. Peut-être que ça coûterait un peu plus cher. C'est des skins pour les armes, ça, ou quoi? Explosif. Ah, explosif, j'ai pas le droit. Ah, moi j'ai le droit. Peut-être qu'il y a des niveaux requis, sûrement. Oula, j'ai pris. Qui me dérange là? C'est l'item. Ok, donc on peut quand même vendre des trucs. Je peux leur vendre un melon? Ah ouais, je peux leur vendre un melon. Tout leur rendre,
Alors, moi j'ai 7000 dollars et je peux avoir un flingue. Un revolver, ok. Ok, en vrai ça va, les armes sont pas si chères que ça. Il y a même un truc pour upgrade les. Oh là là. Camo, et Canonox skin, c'est vraiment ça en plus. Slash camo. Ah, bah j'ai besoin d'un flingue. Ok. Bon, pour l'instant, on va pas non plus acheter de flingue. En fait, on va vraiment découvrir. Essayer de découvrir le... Wow. Je voulais avoir le lobby, mais bon. Est-ce qu'on peut retourner au spawn? Ouais. Alors, il doit sûrement y avoir une map. Je trouve pas la map. Bon. Peut-être peut-être sur internet. Je vois qu'il y a du stuff par terre, hein, franchement. Ah, ça c'est la banque. Ok, donc c'est par là du coup qu'on peut retirer. Non, 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 on va pas. On va pas retirer. Zéro. Pas encore la banque. Oh là. Donc nous on a accès à en fait à ça pour notre private chest. Ok, non, je suis en train de voir, je voulais juste voir le bruit du coffre, hein. Je vois qu'il est quand même fort en fait. On va encore baisser un peu le son, je pensais pas que ça gueulerait autant quoi. Ok, ça c'est des ATM. Coin shop. Ça c'est pour les BTC. Ah, c'est ça alors les house slots pour chasse en extra. Ok, donc ça c'est sûrement en fait des trucs. Comment dire? Les pièces dorées, ça devrait être des pièces qui valent sûrement de la vraie argent. Non, voilà, non. En level up, en remerciement des joueurs, en boostant, enfin en faisant des boosts. Ah, ok, donc non, je pensais que c'était de l'argent de la vraie, quoi. Ça va être les différents types de véhicules. Hein. Canfandra, ok, ouais, ah, ça va être ça, ok. Je la visite un peu, après on va aller sur la map, histoire de voir un peu ce qui peut y avoir. Donc ça c'est ce qu'on fait. Petit freeze. Ce qu'on fait le serveur. Ok, parachute. Oh. Bien, et eh ben on va y aller. Donc là je vois qu'on a quand même deux barres de vie. Parce que je pense qu'une seule, ça doit peut-être être trop, tu vois. Enfin, pas assez justement quand on se prend des balles. Si je fais un slash vote, il y a peut-être moyen que je récupère. Ah ouais, bon. Bon, les votes, on les fera plus tard. Je pense que ça, c'est pareil. Ok. Oh, la peluche du truc, quoi. Ok, donc là, ça, c'est le shop officiel. Je suis monté à 10% en level. Il me semblait que j'étais à 5 tout à l'heure. Alors. Non, non, apparemment on peut vraiment pas acheter de pièces d'or sur le site officiel aussi. Alors les rangs ils sont un peu chers, mais bon. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu ce que ça donne. Parce que là ça fait quand même 1 minute on tourne autour. Ouais, non, 10 minutes. 10 minutes on tourne autour du lobby. Eh man. Oh merde, j'ai frappé un civil. Ok, ouais, donc comme dans le truc, on peut frapper des civils. Bah bravo. Je peux avoir, ouais. Ah, il y a le son et tout ça, d'accord.
Bien, merci. Je sais pas du tout qui m'a tué. Oh, j'ai respawn avec un. Sûrement un truc qu'on a drop, non? Ah, genre, je sais même pas que la map elle était là. Vraiment. On peut zoomer? Non. Buy stop. Ah non, non, buy stop. Buy stop. J'essaie des trucs, mais. Ah, cette touche-là, elle est. Ok, donc sûrement quand on va pop, ça va nous dire. Mais ça, mais ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Ok, non, c'est bon. Tout ça, c'est notre sellable. Ok, donc on a même des munitions. Ah oui, le flingue qu'on devait acheter. On va voir au pire, on va commencer par acheter une arme. Handgun, voilà. Ah, ça prend pas directement l'argent. Ils hydratent spécifique à monte. On va prendre 950 parce que je sais que voilà, ils prennent des frais. Oh oui, heureusement que j'ai pris. Ok, ouais, donc faut avoir l'argent sur soi. Ok. Là, il y a un petit glitch. Voilà, je viens de perdre deux munitions en rechargeant mon arme. Je savais pas. Alors, est-ce que le camo? Bah, du coup, j'ai pas de camo en soi. Ok, c'est ça. Donc, tout ça, c'est l'OCAD. Ok, mais on peut avoir vraiment des... C'est sympa, c'est sympa. Ok, bah nous voilà, bah j'avais pas tellement besoin en fait d'acheter quelque chose. Alors normalement du coup la cobble ils avaient dit qu'on pouvait la casser. Les coffres là. Oh. Oh, les portes vitrées. Et là, si je vends mes deux sandwichs, il les prend pour combien? 4 dollars? Ça donne 1,5. Eh, vas-y, hop, 4 dollars. Voilà. On a, voilà, c'est bon, j'ai réussi à gagner mon argent. Hop, acheter des fleurs? Mais pourquoi? C'est pour la maison, quoi? Ah ouais, il faudrait qu'on voie comment on a une maison, d'ailleurs. Ah, par contre, je sais pas du tout où je suis sur la map. Ah ouais, ça, c'est problématique. Ah, c'est une pelle, ça. Ok, donc je sais pas du tout où je suis sur la map. Ah zut! Et le prix des apparts, parce que je suppose que là. Maison, ouais, mais du coup, maison, je n'ai pas de maison. Voting, booster. Je vois que les lumières, j'ai l'impression que les lumières se sont allumées dans les apparts. Je me dis, genre, est-ce que quand c'est la nuit, ça fait ça? Ah, j'ai oublié de clem. Non? Ah non, ça le fait automatiquement. Ok. Donc là, les prochains, c'est 10 000 et 10 coins. Alors, normalement, les coins, c'est le bordel jaune, mais là, ça, je vois que ça s'est pas trop actualisé. Je sais pas trop comment ça marche. Ah si, ok, si, c'est bon. C'est bon, on va même déposer en fait tout. Me ferait chier de perdre 20 000 dollars, tu vois. C'est juste que là, je crois pas qu'il y ait un ATM. Peut-être dans ma main. Oh putain, je croyais que c'était un joueur. Je viens de perdre 10 000 dollars. Oh, un guy, la moitié quoi. La moitié de ce que j'ai gagné, je les ai perdus parce qu'un enfoiré m'a tué. Bah, ça, tu vois, c'est pas cool ça. Ouais. Putain, vraiment, les mecs n'ont aucune race en fait dans ce jeu, je viens de voir. Est-ce qu'on perd aussi des pièces jaunes? Non, on perd pas de pièces jaunes. Ok, ça va, ça va. J'aurais dû repartir au spawn en fait, hein, clairement. On va tout déposer. Voilà. Je sais pas comment ça fait, ça que s'actualise. J'ai réussi à l'actualiser, mais je sais pas comment je me suis démerdé. Hop. On va jeter ça, on va jeter ça, on va garder ça. Voilà.
Non, je vais pas reprendre de flingue. De toute façon, on va en trouver un sur route. Bon, après, tu vas me dire, je me suis fait quand même 16 000. Ouais, la map, je sais pas où du tout où je suis. Ah, dommage. Un vendeur de caisse, ça, ou quoi? Ah non, c'est pour voler les voitures. Ok. Et est-ce qu'on peut lui acheter les voitures? Vas-y, je te rentre dedans. Donc on prend 3 étoiles dans la gueule si on vole une caisse. Ok. Moi, je suis pas comme ça quand même. Ah, c'est une poubelle ça. Ok. Vois qu'il y a un joueur là par contre qui arrive. Ah, mais il est recherché par les flics. Alors si je tire, est-ce que les flics vont venir alors que je touche personne? Ça je sais pas et j'ai pas envie de tester. Un revolver, tiens. Je vois que j'ai du fuel. Attends, on va faire un petit slash pod. En fait j'ai envie d'être clean à chaque fois que je démarre un truc. Je viens de voir que j'ai récupéré aussi des pourcentages de level. Alors je sais pas encore comment ça marche. Est-ce que je gagne du level en fouillant des coffres? Ça j'en sais trop rien. Et je pensais qu'on pouvait avoir accès justement à notre coffre. On va mettre ça, on va mettre ça au pire, parce que en soi, même si je crève, bon, voilà. Non, hop. C'est sympa le système de coin comme ça. Ça évite justement de faire payer. Par contre, j'ai l'impression d'être déjà spawn ici. Donc là, on serait dans une forêt, ou je ne sais pas. Y a pas de détails dans le non, pas de détails dans le front. Pense suivant le bus stop. Merde. Non, on peut pas savoir si ça fait combien ça? 10 de damage. Et il y a marqué un accuracy de 90. Genre peut-être comment ça touche ou quoi. Ça c'est une trash can. Mais pourquoi les cadeaux c'est des poubelles? Je comprends pas. Oh, il y a des. Oh! C'est un sniper? Oh! Alors, pour viser, je sais pas. Ok, c'est ça. Sniper cop, évidemment, c'est ouais, la pumpkin. Ok. Private chest. Alors ça peut-être que ça, en fait c'est pour éviter de crever. On va mettre ça dedans, on va bien voir, hein, de toute façon. Ça j'ai pas besoin. Le sniper on va peut-être pas le prendre sur nous et hein. Ouais, ça se trouve hein, en fait c'est vraiment pour éviter de crever. Enfin si justement on crève, on a notre private chest. Là, je... Ah, il y a un truc qui a pop là. Ou alors j'étais passé à côté sans faire gaffe. Que je l'ai récupéré. Pour se cacher ça ou Ah. Oh, de la pizza. Alors, où trouver le prochain arrêt de bus? C'est peut-être ce qui va nous permettre en fait, de savoir là où on est. Ah, putain, je vois qu'il y a un truc là. Carabine, flamethrower. Ouais, non, mais sans déconner, il y a des trucs de malade en fait dès le début du jeu. Ça, je fais ça. Bon, on va mettre lance-flamme là-dedans. Ça j'ai pas besoin, ça non plus, les pizzas non plus. Regardez ça avec nous. Comment ça marche pour upgrade?
Ah ouais, il y a des levels à voir. Oh, putain, c'est. En fait, c'est vraiment énorme. Je vois les levels qu'il faut, c'est. Est-ce que c'est comme ça pour toutes les armes ou pas? Là, 2075 et 43. Ok, ouais, c'est ça pour tout. Oh, il y a des trucs militaires là. SMG Magazine, on va mettre ça là-dedans. Ça c'est de la bouffe. Ok, là y a rien. Là y a un joueur. Il n'a pas l'air de m'avoir vu. Ah. Ah ouais, dès qu'il vole une caisse, c'est 3 étoiles. Par contre, j'ai failli me prendre une balle, je viens de voir. C'est des chiottes. Des chiottes publiques. Et je balance. Ah mais vraiment toutes les. Ah ça c'est vraiment peut-être le problème. C'est que toutes les caisses, bah c'est sûrement des. Dès qu'on vole en fait une caisse, on se fait vraiment casser la gueule quoi. Je sais pas si ça sert à quelque chose de mettre ça là. Hein. Franchement, ça se trouve, si je me fais buter, je perds tout. Je sais pas. On va tenter. J'ai vu après, il y avait le Minding Z, là, le genre de The Walking Dead, et il avait un autre, je sais plus ce que c'est. Attends, mais ça veut dire que pour pas avoir 3 étoiles, faut prendre sa propre voiture, alors faut l'acheter. J'ai l'impression qu'il y a un joueur là, pas loin. Oh non, c'est. On a des C4. Vas-y, je mets ça direct là-dedans. Non, là, il y a un papa, ok. Et qui se balade avec une mitraillette sur lui. Ah, les voilà, les flingues. Ok, les flingues, les maisons. Alors, bail, force 130 000. Ok, donc c'est en une fois alors. Et ça nous dit en fait qu'il y a 14 coffres, deux portes et un coffre-fort. C'est sûrement les coffres qu'on a vus à la banque. Ouais, ça doit être ça. On peut visiter ou pas? Non, pas visiter. Ah, c'est con, ils font pas les visites. On peut voir aux fenêtres au pire. Ouais, j'ai pas l'air de me faire agresser. Pas que ça arrive pop, hein, par contre, parce que je suis un peu dans la merde. Je vois que du coup, il y a des coffres, hein, des coffres, ok. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis des barreaux en fait. Pour éviter de se faire agresser. Ok. Bah écoute, je vois un peu la gueule des maisons. En fait, si je revends mes gavets d'armes, je suis bien. Attends, je vais mettre ça là-dedans, hop. Si je vole une voiture, je suppose que je me fais casser la gueule aussi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment mes 3 étoiles. Je sais pas trop ce que ça fait d'avoir 3 étoiles, alors après tu vas me dire, on peut les semer sûrement. Ok, non, on peut pas. Je me sors pas où je le mets dedans, hein. Je me fais pas. Ah, comment on rentre là-dedans? Parce que j'avais pété les fenêtres moi, hein. Je suis un ouf. Hein. Encore de la bouffe. Eh, on va pas être en manque de bouffe hein, par contre. Hein. Je sais pas si le jeu il est en difficile, mais il est en facile. Hein. Comment tu veux perdre de la bouffe en facile? Ah, bah, j'en ai commencé justement à en perdre. Hop, ça j'ai pas besoin, pas besoin, pas besoin. Déjà, il y en a qui parlent dans le chat là, mais franchement, je fais pas attention à ce qu'ils disent. Là, ça va être encore des maisons. La map. Non.
Ça, c'est pour les guns. Du coup, je pense que je peux vendre en fait tous les guns que j'ai, sûrement. On va vendre genre un sniper, ça, et ça. Au pire, on va voir. De toute façon, on pourra les récupérer plus tard. C'est peut-être une connerie ce que je fais, évidemment, mais. Genre ça. On est sur 5 825 $. Ok, donc ça, c'est ce qui donne en valeur. Par contre, ça vaut pas grand-chose, donc on va le garder. Ok, voilà. Il n'y a pas de thème. Non, attends, c'est vraiment. Ah non, c'est pour les gangs. Ok. Non, bah, en vrai, la K fait 7, 6, 5. Ça, tu me le prends combien, ça? 625. Bon, allez, c'est toujours 625 de prix. Faudrait une banque. Y a-t-il une banque proche d'ici? Juste un petit ATM ou n'importe. Péter les fenêtres pour repasser. Sais pas, on va. Oula, attends. Hop. Oh. Je m'attendais à quelque chose de bien, par contre. Je suis dégoûté. Qu'est-ce que c'est, ça? Pas un thème, j'ai 6 000 sur moi, là, ça me ferait de perdre la moitié. Je crois qu'on perd vraiment la moitié en plus quand, quand on meurt. Ouais, des grenades carrément. C'est le carabine, je vais la garder, ça je vais garder. Je me dis en fait avec tout ce qu'on a comme flingue, pourquoi pas les utiliser et aller buter des gens. Mais le problème c'est qu'après voilà on va avoir les flics. Et oui. Ça c'est une poubelle, hein. Les cadeaux c'est des poubelles, hein. Faut savoir pourquoi. Oh là. Oh, parce que c'est la gueule quand même. Ça donne combien les attaques? Allez hop, on stock. Oh, c'est un sniper, mais différent. Un pistolet. Franchement, moi, je vais garder ça. Voilà. Ça va être dans l'inventaire, ça prend de la place pour rien. Il y a un flic qui est mort là. Oh, ATM. Allez, on dépose tout. J'avais 5 000 sur moi. Ok. On trouve pas d'argent dans les coffres. Je sais qu'il y avait un serveur où on pouvait trouver de l'argent directement dans les coffres, mais là non. Ça je vais garder par contre. Hop, ça j'en ai pas besoin. Fusil à pompe là. Alors péter la gueule. Lui je le crève direct. Hein. Ratlick to call the drop. Je sais pas, ça fait quoi? Ah ok, c'est pour avoir des trucs. On peut voler un taxi, mec. Yo, yo. Franchement, on va être bien, hein. Quand on va faire des missions ou quoi, là, on sera bien équipé niveau flingue. Ça, c'est cool. Que j'aimerais trouver parce qu'en fait avant de faire les trucs ce serait bien d'avoir une après niveau bagnole par contre je sais pas du tout qui est bien qui est pas bien genre ça vas-y hein. Allez hop sport carte regarde monte dedans bon ah oui donc là sur le téléphone on voit que j'ai 3 étoiles ok il y a aussi les PV de ah attends. Et on peut faire de ces drifts. Je vais voir un peu le. Oh. Qui me shoot? Sûrement les flics, évidemment. Alors, comment on fait pour payer les étoiles? Enfin, ok, donc là j'en ai plus qu'une. Ces bruits de dérapage. En fait, je veux dire avec la souris. Ok, d'accord. Je voyais pas du tout comment on gère en fait. Ah, je vois qu'il y a les. Est-ce qu'il y a des maisons par là? Oh là, il y a des joueurs.
Ok, c'est bon, je pense pas qu'ils veulent me fumer. Ah, mais en fait, c'est chiant parce que pour regarder sur les côtés, je sais. Merde, enfin, encore klaxon. Je sais pas comment on fait pour regarder sur les côtés. Ok, donc là, c'est bon. On va plus rechercher. Mais vu que j'ai. Est-ce que je dois encore avoir 3 étoiles ou pas? Non, c'est bon. Ah, ok, ils nous disent. Donc avec le mouse, accélérer, décélérer et. Ok, d'accord, je pensais. Attends, vraiment, la voiture nous fait des dégâts. Je vais voler de l'argent. Ouais, sûrement, je vais voler de l'argent. Ouais. Ok, il y a sûrement encore la voiture. Oh merde, merde, je suis coincé, je suis coincé, je suis coincé. Iiii, je suis coincé. Ma voiture, elle est où? Je l'ai cassée, je l'ai cassée, j'ai cassé ma voiture. Aïe. Oh, vraiment, 2 étoiles, les flics, ils sont violents. Hein. Ah, bah parfait. C'est bon, j'ai cru qu'il fallait vraiment être hors de portée, mais à ce que je vois, il est mort. Il est mort comme ça. Hop. Il avait quand même du stuff hein, sur lui. Je suis en train de voir, mais. Ah, toi, tu fais quoi, toi? Mickey vénère. Du coffee. Mec, si je te vends un flingue, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, il est content. Alors pour se régénérer, c'est nickel, c'est la vie, c'est la bouffe. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça. Est-ce qu'on peut braquer, tu penses, un mec qui vend? Non, peut-être pas en fait. Alors lui il donne des trucs, hein, lenteur, rapidité. Mid, je sais pas pourquoi. Et la vodka ça fait sauter, hein. Le whisky ça donne force. Waouh. Tiens mec, je te vends ça, je te vends ça, je te vends ça. Allez, fais péter la monnaie. Si on pourrait avoir ouais, une maison là dès le début. Enfin dès le début, évidemment, c'est. Voilà. Parce que pour avoir une maison. Ça va être sûrement compliqué. Et oui, évidemment. On est à l'étage là d'un truc ou quoi d'un bâtiment? Ouais, c'est l'étage d'un bâtiment ça. Je vois qu'il y a un mec là-bas. Et j'ai plus d'armes sur la calache. J'ai envie de le shooter en vrai. Putain, il va se dire, vas-y, c'est qui me shoot là? Pense qu'il est en train justement d'essayer de voir des joueurs. Oh putain. Oh putain, je crois qu'il m'a vu. Ah, il a sneaké. Il à Kangaroos, je savais même pas qu'il y avait des maisons pour les gangs. Enfin, dans le jeu officiel même d'ailleurs. Il joue à Assassin's Creed là, à sauter sur les toits ou quoi? Oh, celle-là, elle est pas passée loin. Il s'est pris une balle, je crois qu'il est en train de se dire. Je vais le niquer. Bon, je vois. Explosive Shop, c'est quoi ça?
Ah, j'ai pas le droit. Et gun upgrade, oh putain. Tu le vends combien ça? Ah oui, ah oui. En vrai, il y a peut-être moyen que je me le garde, tu vois. Hop. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait vendre en vrai? Peut-être des trucs qui ont rien de spécial. Enfin, qui ont pas tellement de valeur pour le coup. Ça ne peut pas se vendre. Ah ouais, il y a des trucs, on peut pas les vendre. Ouais. Oh, ouais. C'est vrai que niveau bouffe, je suis quand même bien. Donc en soi, est-ce que vraiment on va tout garder? Genre les sandwichs. Je sais pas, il y a des trucs, il va peut-être falloir les GRT. Il n'y a pas d'ATM là. Si je trouve un ATM, ça me dérangera pas d'acheter des trucs. Merde, je vois qu'il est rentré dans un. Alors par contre, il y a des jobs. Ça sert à quoi? J'ai vu qu'il y avait aussi ça. Under radar, ce cops. Bob the police. Je vais voir quand même qu'ils viennent pas l'autre. Gang et les jobs, du coup, c'était. Alors, il y a qu'au menu. Non, job. Ok, c'est là. You can get job by talking to Madrazo. Et donc, c'est sûrement là où on va sûrement faire des trucs, en fait, voilà, qui peut être sympa. Et franchement, je compte faire en vrai une petite série sympathique, je pense. Si ça me plaît, hein. Si ça me plaît vraiment, il y a peut-être moyen, ouais, que je fasse un petit truc sympa. Donc en même temps en fait ce sera en live aussi, tant qu'à faire, on fera les deux. Ce sera plus cool. Ah les trucs militaires, je vois que ça paye bien. Ça donne. Ok, il y a même des HP, ils ont. Ah oui, il y a carrément tout. En fait, je commence à apprécier de plus en plus. Enfin quand je joue en fait, ça me fait penser à Shotbow, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus évolué que Shotbow. Et malheureusement, en fait, celui justement de Shotbow ne marche plus. Et donc en fait tu vois en soi c'est pas mal que j'en ai réussi à en trouver un autre comme ça. Et en vrai ouais faire une petite série sympa. Alors je sais pas, peut-être tout seul ou à plusieurs, faudrait que je voie en vrai. Faudrait que je voie les disponibilités et en vrai si on peut les faire à plusieurs, pourquoi pas. Non en vrai après j'ai des trucs de merde. Quoique, on va peut-être s'habiller tu en militaire en soi. Leggings, bottes, un petit casque sympa. Et on va garder les trucs militaires pour un. Pour plus tard. Genre, ça tu vois, je m'en fous. On va mettre ça, ça. Et ça aussi, tu vas mettre ça. Bon, je retrierai peut-être un peu mieux. Hein, tu vas me dire la gueule du coffre. Oui, il y avait une échelle. C'est vrai. Ok, donc là, je vois que c'est un. Ah bah dis donc. Oh. Je sais pas si ça me shootait dessus mais on peut pas se cacher quelque part. Attends, j'ai ramassé un petit plastron sympa là. Y a pas un truc merdique que je peux changer? Pas si ça. Ça, et puis on va jeter antibiotiques. Ah merde, all statue effect off. Oui. Bon, ça, j'ai peut-être pas tellement besoin. Celle-là, elle a plus de balles. On va prendre ça. Voilà, pistolet. Bon, en vrai, autant ne pas gaspiller. Ça existe. Not valuable, je m'en fous, tu vends. Voilà, en même temps, ça fait office de poubelle, hein. J'ai de l'argent sur moi. Bon, 1 000 $. Et quand je vois des gens, franchement, je commence à flipper un peu, hein, mais tranquille. 72 $ de frais. Ça va. Maintenant, tu peux venir te battre si tu veux, si t'es un bonhomme. Est-ce que t'es un bonhomme? Non, t'es pas un bonhomme. Il a un statut VIP, mythical, je vois. Ok, non, ça c'est vraiment les grades que t'achètes sur le serveur de base. Ok. C'est stylant, ouais, comment c'est fait. Moi j'aime bien. J'aime bien. Et puis vraiment, l'interface et tout ça aussi, c'est. Oh, il y a lui là par contre, là. On ne mettrait pas une petite balle, là. Oh, il a volé une voiture. Ok, je crois qu'il veut jouer au malin.
Tu veux tomber dans le ravin? Mon gars. Bah alors? Bah alors? Merde, chier. Il va profiter pour me fumer, hein. Oh, tant pis, alors les flics, ils popent à une vitesse, mon gars. Ils popent pas sur les toits, hein. Ouais, attends, il est là. Oh, t'as de la chance. Mais il monte sur lui. Tranquille, tranquille. Une étoile, on a une étoile. Toi, tu me fumes. Oh, il m'a mis une balle, l'enfoiré. Alors ça, c'est dégueulasse, ça. Chaos Den 55, tu vas voir. Du coup, ok, ouais, tout est dans le private. Nickel. Okay. Hop, hop. Donc apparemment, c'est ici qu'on peut avoir notre job. Enfin, ils ont dit que c'était au middle. Au spawn, je veux dire. Ah ouais, là. 7000. Eh, franchement, c'est cool, hein. Visiter Chinatown, plus 100 XP et 4000$. Allez, hop, on le fait. Donc on fait ça, job, ok. Visite train station. Alors par contre, je ne sais pas où c'est. Est-ce que leur site, ils ont une map? Non, c'est pas chaud que je veux faire. C'est, je sais même pas, est-ce qu'ils ont une map de base? Ah, dommage, je pensais qu'on pourrait savoir les quêtes. Ça pouvait être sympa en vrai. Par contre, je ne sais pas. Note finish, faut aller visiter le port. Ouais, tu vois, je veux bien aller visiter le port. Ouais, pas de problème, ouais, pas de problème. Non, ça j'aurais pas. Visite skatepark. Mais attends, il me dit de visiter n'importe quoi en fait. Je comprends pas là. Attends, j'ai envie de savoir quand même s'ils ont un site. Enfin, ouais, ils ont un site officiel, j'ai vu. Mais est-ce que sur le site, on peut avoir la map? Non, parce que je suis un peu paumé, hein. C'est vrai que c'est la première fois que je vais sur le serveur, hein, pour le coup. Et je sais pas du coup s'il y a quelque chose ou quoi. Ok, c'est là. Craft dev, top, top. Est-ce qu'on peut avoir la map? Ah, je pense pas. Ouais, faudrait que je voie au pire un. Ouais, faudrait que je voie. On a 118$ sur nous, ça va, on va trouver un coffre avec des flingues dans pas longtemps. Donc il m'a dit d'aller visiter China machin, mais je ne sais pas où c'est. China, non, si. Visite Chinatown, c'est ça. Visite McRonald. Franchement, il me dit de faire des trucs, je sais pas. C'est moi qu'en shot qui fait ça. Ah, un bus au stop. Ça va pas nous dire lequel. Police station, porte, s'il y a pas un. Ah, McDonald's. Patiente. Ok. Et donc, il y a un McDonald's quelque part. Oh, il y a plein de caisses. Deux étoiles, deux étoiles. Ok, le voilà. Il a pété les fenêtres pour rentrer dedans, mec. Tu vois. Donc là, je suis dans un McDo, hein, on est d'accord. Hein. Les frites, des burgers, des Kyoky Chicken. Toujours la même. Job. Progresse, vite. Mais attends, mais en fait, ça fait que changer. Je sais pas comment. Pourquoi ça fait que s'actualiser? Skatepark, tu veux qu'on visite un. Ah, si. Ça y est, je crois, non? Ouais, ok, nickel. On a reçu 4000 sur nous. Enfin, peut-être plus, parce que quand je vois combien il y a, voilà. Est-ce qu'il y a un ATM dans McDo? Enfin, McDo de base, je pense pas qu'il y ait un ATM, hein. Mais, Tackable. Save the environment. Oui, c'est important.
Y aura-t-il un ETM et non pas un joueur pour me descendre et gagner 4 000 $? Je sais même pas si on gagne de l'argent en fait quand on meurt. Je sais qu'on perd la moitié de notre argent, ça oui. Bon, on a fait notre première mission, voilà. Visiter un McDo, super. Maintenant, je voudrais avoir un ATM par contre, hein, parce que bon, par contre, j'ai pas vu de coffre là. Ouvert là? Ouais. Qu'est-ce donc? Un elevator? Pas l'air de marcher. Hein. J'essaye du truc, mais ça a pas l'air de marcher. Hein. L'ascenseur, il est cassé, monsieur. C'est incroyable d'avoir des machines qui ne marchent pas. Ah, coffre. Hop, fusil à pompe et ça. Non, ça battait du coup, j'en ai plus trop besoin. Hop. Ok. Un pistolet. Un fusil à pompe. 3 d'étoiles, c'est pas mal hein, quand même. C'est quoi ça? Police line de notre cross. Ok. À venir. Alors, par contre, la map. Parce que là, du coup, j'ai pris le bus du McDo. Ah, peut-être que si, peut-être que ça peut nous aider. Attends, 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 attends. La station de bus, elle est où? Elle est là-bas. Ok, donc ça peut peut-être nous aider. Suivant comment on regarde la map. Putain, je chiale, c'est trop bien ce jeu. Suivant comment on regarde la map, en fait, je pense qu'on peut savoir où on est, précisément. Parce qu'en fait, quand on connaît pas le jeu, c'est vrai que c'est un peu compliqué de savoir. Spécial carabine SMG. Ok. Là, il y a les rails et il y a la fin de map. On a les rails et la fin de map. Alors, où est-ce qu'on peut être? On n'est pas du tout à l'aéroport. Je pense pas qu'on soit à l'aéroport. Vu qu'à un moment, c'est la fin de la map. Et en fait, on peut pas zoomer. Ah, oh, c'est chiant. Je viens de voir qu'il y avait une boîte là-bas, mais tant pis. On est dans un vieux station où il y a le toit qui est en rouge. Et après, c'est la végétation. Donc, est-ce qu'on serait par là alors? Soit par là, soit soit ici alors. Ah je sais pas, hein. Je suis vraiment un peu paumé pour le coup. Par contre, quand on vole une voiture, on se fait directement tirer dessus, quoi, en fait. Vraiment, il n'y a pas de. C'est dans ta gueule. Hein. Merde, je tombe toujours avec ZQSD, mais non, c'est la souris qui fait. On peut pas changer ça. Press jump for learning a véhicule to make it. Extra ability. Ok, l'extra ability. Ok, bon là par contre, je fais que klaxonner, ça va pas. Ah, là il y a un autre bus station. Attends, par contre, j'ai encore des étoiles. Donc on va pas faire le con. Là je vois qu'il y a un bus station ici. Peut-être qu'il y a des maisons. Là, y a un joueur. Bonjour joueur. On va esquiver les balles qui peut nous tirer. Qui nous tire pas dessus en fait. Oh, putain, lui il nous tire dessus par contre. Là il y a un bus station et on repart là où il y a le McDo et tout. Ah, vas-y, va vite lui, va vite. On peut tirer au volant ou quoi? Je sais pas. Vu qu'il y a un mec là. Le chemin se sépare, monsieur. Mais il est fou, quoi, lui. Il veut que je l'encastre ou quoi? En fait, j'aimerais bien trouver des apparts. Calme-toi. Non, ça, c'est des gangs. Oh, sans déconner, je vais pas trouver d'appart. Mais. Vas-y, c'est pas normal, ça. La voiture elle est arrêtée. Dans la vraie vie tu peux rentrer dans une voiture. Pourquoi je peux pas avancer? Alors j'ai vu après qu'on avait du fuel, mais le fuel je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on les tire, tu vois. Le fuel, putain, en fait c'est chiant, on n'utilise pas les claviers, alors du coup des fois on peut faire des. Ah ça c'est la route rouge, j'ai vu. Et la route rouge elle était sur la map. Donc ça aussi ça peut nous aider pour savoir où on est précisément.
Enfin, il y a précisément essayer de savoir où on est, du moins. Il y a encore les keufs là. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est à côté. Oh là. Petit freeze. Où est-ce qu'il pourrait y avoir des bâtiments? Enfin, bah là justement, attends. Attends, parce que là il y a un genre de garage, on est d'accord. Est-ce que ce serait pas un garage pour justement. Aïe! Ok, donc là je viens de remercier quelqu'un. Oh, j'ai remercié deux personnes, ce qui m'a donné 10 coins en plus. On a un élévateur ici. Toujours pas d'ATM, hein, mais je crois que je vais mettre l'argent moi-même dans la banque, parce que si je me fais shooter, je vais chialer. À... Oh! 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 D'accord, donc il y a vraiment des véhicules de ouf, quoi. J'ai même pas vu qu'il y avait une caisse ici, baseball, legging. Ah bah parfait, tiens, vas-y, ça va compléter notre armure. Voilà. Aha! Aha! Pomme, ça, ça et ça. Le reste, je m'en fous si je crève avec. Il me faudra un ATM. Et vraiment, je veux de tout à l'heure, je veux des ATM en les braquer. Elevator down. Ah, ça pourrait être aussi, ok. Bon, elevator right. Je pense qu'il va sûrement y avoir des maisons ici. Oh putain, et on a ramassé un bon truc là. Qu'est-ce que je peux tège? Au moins pour mettre ça quand même. Parce que tu vois, military bot. J'ai des pantalons, j'ai beaucoup de casques. Voilà, on va faire ça. Et après, pompe shotgun. Est-ce que j'ai vraiment des armes pas ouf? Fusil à pompe. On va mettre l'AK. On va garder l'AK sur nous. Elevator down. Ah merde, on peut aller plus haut. Ah. Ah. Non, bah, attends, on va garder les affaires, je vais pas les jeter. On va revendre en fait tout ce qu'on peut. On peut mettre, je pense, on va les revendre. J'ai l'impression qu'il va d'avoir vu un pseudo bouger. Donc ça en fait c'est juste un parking privé. Mais peut-être qu'à côté justement d'un parking privé, il va y avoir. C'est. Ah, je croyais qu'on pouvait y aller. Peut-être qu'à côté justement d'un. Ah, mais wow, une roquette quoi. Bon, c'est un jeu à stocker parce que bon, je vais peut-être la perdre. Hein. D'ailleurs des bâtiments, ça c'est. Mais non mais ça c'est des ganghouses, normalement les gangs c'est pas censé être en plein milieu des rues quand même, oh. C'est pas cool de mettre des gangs comme ça là. Non. Enfin si. GG. Genre hop, 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 hop. On va dégager tout ça. Assaut, ouais, jacket, tout ce que tu veux, je m'en fous. Allez, plus 2000, voilà, ça fait 10 000. J'ai toujours pas trouvé d'ATM, il y a ça. Va garder ça sur nous, voilà. Bon, au pire, tant pis pour l'ATM, voilà. 560$ de frais, c'est bon, c'est pas la misère. On va pas mourir pour ça. Où c'est qu'il pourrait y avoir des bâtiments? Ah, oh, elevator. Ah! Private flat. Pour 60 000, il y a 8 chests et une porte. Bon, je suppose que c'est ça la porte, hein. Et il y a 8 chests, ok. Elevator up. C'est quoi? Des private flats. Ça, c'est pas cher, tu vois. 60 000 dollars, on est à 30 000 dollars. Avoir une petite maison sympathique, là, comme ça. C'est cool, ça. Dommage qu'on puisse pas vraiment visiter en mode spectacle ou un truc comme ça. Il y a 8 chests. En vrai, c'est pas mal. 8 chests, c'est quand même un bon truc. Pour, enfin, déjà, pour... poser des affaires quoi. On a à côté d'un food shop, tu vois, on peut avoir toute la bouffe qu'on veut. Ouais, franchement. Ça, je pensais pas, tu vois, que les magasins pouvaient fournir des hôtels. Enfin, des hôtels, des chambres en fait. Car je crois que c'était un joueur.
Peut-être que c'est un joueur qui veut nous casser la gueule. Il y a des trucs là. Ça serait des apparts, hein. C'est sûr, c'est des apparts. Et ça, par contre, je sais pas. Non, ça sert à rien. Putain! Oh là là, sa mère! En plus, il y avait du stuff militaire. Ah merde, ça dure pas longtemps. Oh, oh merde, je l'ai confondu avec le sac. Un militaire, je pense qu'on va le remplacer à la place des... Ouais, des bottes. Après, il y a encore des antibiotiques aussi que je peux dégager parce que je m'en fous un peu. Sandwich, je les garde. Non, mais il y a des trucs que je vais pas trop garder par contre, hein. Genre ce qui donne, genre ça par exemple, tu vois, je m'en fous. Ça donne, en fait, tout ce qui donne beaucoup de bouffe, je veux bien, tu vois, mais ce qui donne pas de bouffe, c'est vrai que je m'en fous un peu, quoi. Non, ça on va garder parce qu'on va vendre. Assault rifle. Hop. J'ai pas des assault rifle là sur moi. Faudrait ça aussi que je vais ranger. Bah, franchement, voilà, je vais voir, hein, je vais. Ranger ça, mais après, parce que là, on va essayer de retourner vendre tout ce qu'on a. Non, donc là, en fait, j'ai pas gagné d'argent. On perd de l'argent quand on meurt, mais on gagne pas l'argent de celui qu'on a perdu. Ou alors, il avait 0$ sur lui, aussi, peut-être peut-être ça. Voilà, 1 600 de plus. On est à 34 000. On pourra peut-être avoir notre premier appart d'ici là. Hein. Ça se tente, ça se tente. La batterie partout, c'est bon, ça c'est bien ça. Est-ce que là par exemple. C'est ouvert? Ah non, je croyais que c'était ouvert. En fait, j'aimerais bien rentrer dans ces apparts là, tu vois. Mais je sais pas où est l'entrée principale. Ça va être de l'autre côté. On va aller de l'autre côté. Peut-être de l'autre côté. On peut rentrer. Là, un petit peu de stuff. Ouais. Sais pas si c'est le mec qu'on a tué tout à l'heure. Ah, ça ne met pas les gens qu'on a butés. Ah, il m'a fait gagner peur, le mec il m'a sauté dessus. On a perdu 813$. Ok, moi c'est vraiment la moitié qu'on perd. Non. Ah, il m'a fait gagner peur. Oula. J'ai des trucs. Est-ce qu'il y a encore des jobs? Ok, il y a vraiment ça comme job. 7 000 et 7 000, ça nous ferait 14 000. Et 14 000 et 34 000, je ne sais pas calculer. Attends, bon, 14 000 et 40 000. Bah, c'est pour les cons, 58 000 normalement. Destroy 7 000. Et en vrai, vas-y. On est fou, on le fait. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Non, franchement, on va pas utiliser ça. J'ai envie de savoir un peu comment ça marche. Destroy 7 000 $ worth of stuff. Destroyed. En gros, faut casser des affaires pour 7 000 $. Mais comment qu'on fait? Genre des voitures, par exemple? On péta des voitures? J'en sais rien. Genre, si je... Peut-être faut casser en entier. Hey. Mais voilà là. Oh, je l'ai renversé le flic, je l'ai renversé quand. Normalement pour casser les véhicules. Hein. Ah, ça va pas vite. Ouais, faut peut-être foncer dans les trucs, je pense.
Pourtant. Oh lui il est vénère. Esquive, esquive de ouf. Ok, je crois que j'ai réussi. Faudrait peut-être que je fonce au pire dans une autre voiture. Pour justement. Je ne tue pas l'autre. Ouais. Ah, ça c'est des maisons ça. Ça c'est des maisons. À coup sûr, c'est des maisons ça. Chaises, 4 portes. J'ai pas vu les prix. Il pouvait crever, lui ça m'arrangerait. Enfin, si je pouvais ne plus avoir d'étoiles, ça m'arrangerait. Combien? 600? Ah non, 60. 60 000, et là, au moins, on aurait, tu vois, une maison. En plein la gueule. Un mille... Wow, 55... Oh! 55 millions. Non, attends, c'est... Non, 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 pas 55 millions, je suis en 55 chests. 1,2 million. 1,2 million. Qui a 1,2 million? T'as 1 vol, t'as 57 chests, t'as 3 portes. Genre, c'est vraiment. Trois portes, donc ouais, une ici. Là où on a vu est 55. Ok, 57 chests, mon gars, mais c'est énorme. T'as genre un étage ou un sous-sol, c'est obligé. Je te tape avec ça. Donc ces maisons-là, c'est 1 million 2. Ah non, 80... Oh, 90. Pour quelques chests en plus. Au lieu de 8 chests, on a 4 chests en plus pour 30 000 dollars. Je l'ai vraiment tué. Attends, mais ça fait mal ce flingue ou quoi? 15. Ok, 15. Évidemment. Bon, tu me donnes ta caisse là. Merde. Je vais descendre. Tu peux me donner ta caisse. Monsieur, vous pouvez me donner votre voiture. Merci monsieur. J'ai pas vu ce que j'avais récupéré. Oh là, il y a quelqu'un en face. Bon, en fait, sortir dans la rue. Pour se faire casser la gueule quoi. C'est bon pour se faire casser la gueule. Bah, ouais, on peut retourner au spawn. Je pense que c'est ce que je vais faire, parce que c'est facile à petit... Ah non, non, bah non, parce que je crois qu'on a des étoiles. Peut-être qu'on peut pas si on a des flingues. Si on a des flingues. Alors un peu ce que j'ai là, des mitirs à reboot. Mitirs à reboot. J'ai vu qu'il y avait le flic qui arrivait. Mais tiens, je peux pas être tranquille à un moment là, oh. Je vais te renverser toi. Je vais te renverser, t'es un fou. Détruire 7000 dollars de matériel. On va essayer de jeter des grenades sur des trucs, hein, tiens. Bon, on va faire ça dès que j'aurai plus d'étoiles. Ça m'énerve. À part, on est bientôt le 24, je viens de voir. Bientôt le level 4. Waouh. On a 35 000. Après, ouais. Si j'aurai les 7 000, ça fera plus. Et les 14 000 aussi. On aura bientôt, en fait, notre première petite maison. Je pense qu'en vrai, nous, on va prendre une maison avec 8 coffres. Après, on sera. Je pense. On pourra la revendre, hein, évidemment. Ok, ça c'est fait. C'est bon, j'ai semé les keufs. Ma voiture est bloquée. Aïe! Ok, donc là j'ai détruit. Ça fait 1375 dollars pour une voiture. Alors après, je pense aussi ça dépend du level de la voiture. Bon, enfin. Les bandoles, en fait, ça marche comment? Ah oui, quand même. On va garder ça. Voilà, on garde ça sur nous. Parachute aussi, ça aussi.
Oh, Military, c'est oui, évidemment qu'on va garder. Les roquettes, bon, clairement. Ah, on est revenu aux apparts. Ok. Donc là-bas, il y a plein de voitures. On va aller faire. On va aller déchiqueter des voitures. Je vais même utiliser une grenade en tant qu'à faire. J'ai envie de voir un peu la gueule que ça va faire. Quand on détruit du matériel, on n'a pas les flics qui viennent. Autant en profiter pour le coup. Ouais, ça, j'avais oublié de. J'ai oublié que j'en avais. Ça marche comment ça? SMG. Ah si, si, j'en ai des SMG, j'en ai. La souris, on va la prendre. Voilà, tout ce qui nous servira de péter des trucs, on va les prendre. Oh attends, mais il a été amélioré lui. Ah oui, qu'il a été amélioré. Ah, j'ai level up. Alors je sais pas comment on augmente le téléphone. Ah non, oui, c'est claim. Ok, faut claim les rewards. En vrai, je vais les claim devant un ATM ou alors au lobby. Ce qui me permettra de récupérer et directement mettre à la banque. Mais attends, mais vu qu'on claim, en fait, je pense que ce sera encore plus rapide et peut-être qu'on va même prendre la maison au-dessus. Hein. Les voitures, elles étaient où? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'ATM. Peut-être qu'il y en a là, dans les coins. Peut-être quand c'est 2 étoiles, ça prend pas beaucoup. Après, il y a aussi ça. On va voir. Hein. Vas-y, j'ai envie de tester avec une grenade. On va mettre la grenade là. Ça va marcher. Ça va pas marcher. Peut-être que j'ai pas le droit d'utiliser les grenades. Par contre, j'ai oublié de mettre le sniper dans le sac. Ça vaut des LMG, LMG magazine. Oh, en vrai, eh, on va faire ça, ça. Ah ouais, si, 2 étoiles. Ok, je pensais pas. Je pensais pas que ça ferait ça. Il me reste combien de balles? 190. Hop là, mon gars! Non, le bus se stop, ça mettra trop de temps. Un petit slash pawn. Eh oui, évidemment. Enculé, on pop direct dessus. Je récupère des trucs, on sait jamais si on peut les revendre juste après. Mais non, mais les mecs, ils popent du toit, d'où, y a pas d'hélicoptère. Enfin... Je peux pas genre être dans des chiottes privées comme on avait vu tout à l'heure là. Ça peut être pas mal. Peut-être pas les trucs privés vous. Non, maintenant là ils vont monter là. Merde, merde, merde. Oh, il y a un avion. C'est la banque. Bonjour. Le toit, le toit, le toit, le toit. Il monte aux échelles ou quoi? Dernière nouvelle, il monte pas aux échelles. Ah, c'est bon, je suis plus suivi par la police. Par la police. Et ouais, donc casser du matériel aussi, hein, ça vaut quelque chose. Hein. J'ai envie de vendre là tout ce que j'ai. J'ai que le matériel. Ça nous fera un peu plus d'argent aussi. Oh, ça c'est un ATM ça. Aïe. Et oui. C'est un ATM. Et juste à côté, en plus, il y a un vendeur. Non? Du moins qu'il y a un vendeur. On peut récupérer ce qu'il y a là. Non.
J'ai pas mal de trucs militaires. Et je sais pas encore contre quoi les échanger. Mais bon, après, si le stuff il est plutôt. Je vois que ça rend pas plutôt souvent en soi, donc ça me dérange pas. On pourra aller les retrouver un peu plus tard. Et ben, le mec qui vend des fleurs, franchement, tu vas être content. Bon, ça, je vais garder. Ça aussi, je vais garder. MG, on va garder pour détruire. Ça, on va détruire. Ça aussi. Pas plus 4. Oula! L'ATM, il est juste devant. Comment il a fait pour aller là? On va se barrer par contre, parce que lui, je sais pas trop. Je sais pas comment on a fait pour descendre aussi. Ah, ça, c'est une maison ou un gang? Homme, maison. 115 000 pour 12 chests, et il y a deux portes. Sur une là, et sûrement une derrière. Mais là, c'est 120, donc c'est encore plus. Le fioul, je vais le garder. Ça pourra toujours servir. Ça. Merci à Thor. Ah putain, à Thorize, excuse-moi d'avoir écorché un peu ton nom pour ton follow et bienvenue sur le live. Alors, ça c'est bon. On va essayer de. On va garder ça pour continuer à détruire les. Il faut encore plus détruire de matos, mais après je sais pas où est-ce qu'on peut détruire plus de trucs. On va tester. On va voir tout ce qui a pété. Salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Il y a vraiment de l'eau là. Ça va bien aussi. Hop, voilà. On a 40 000, 60 000, on peut acheter la petite maison. 80 000, on peut acheter la meilleure maison, donc une plus grande. Et 120 000, on peut acheter ici. Mais je sais pas si ça fait un peu trop après. Normalement, celle-là, elle est censée coûter un peu plus cher. Il me reste encore. Je suis à 48%. Donc, on va aussi péter la caisse. Hein. Le serve, c'est. Je t'envoie ça. C'est vrai que j'ai pas mis le slash serveur. J'aurais peut-être dû le mettre. Hop. Hein. Merde un peu là. Voilà, je t'ai envoyé sur la truc. Ça c'est quoi? Il faut des handguns. J'en ai des handguns ou pas? Ouais. On peut peut-être garder ça pour les pour frapper les gens. Putain mais ça. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, il y a un pack de textures, franchement le GDA est pas mal, il ressemble un peu à celui de Shotbo mais en plus évolué, hein, comme tu peux voir avec le téléphone, les jobs, enfin plein de trucs en fait. T'as aussi un Walking Dead que j'ai pas essayé, en fait quand j'ai vu celui-là je me suis dit, bon, ouais, je pense qu'on va, voilà, ça me tente même de tourner un petit truc dessus, tu vois, avec mission et tout, je pense que c'est même ce que je vais faire vu que je commence à l'apprécier. On va commencer à péter ça. Ah ouais, 3 étoiles. Job... Ah ouais, déjà, tu vois, ça remonte. Ça remonte un peu plus. Par contre, j'ai toujours pas d'endroit où me cacher. Ça, c'est chiant. Enfin... Je sais pas tellement dans le sens où... Oui et non, parce que, ben... Enfin, y a pas de vocal, en fait. C'est vraiment, tu viens dedans, tu fais tes... y a des missions, des jobs aussi à faire. Après, t'achètes ta maison, tu vends ta bouffe, tu fais plein de trucs... Mais après RP, ça veut dire RP, dans quel sens tu veux dire RP? Genre on parle ou on fait vraiment des vrais trucs et tout ça Merde. Putain, je vais avoir plus d'étoiles là. On va se mettre là. Après ouais, là c'est plus... Oui, là c'est pareil, en fait on fait les missions, là on fait un job. Qu'est-ce qu'il me... Le flic il pop partout quoi.
Là, c'est un peu pareil. Là, tu vois, j'ai pris un job que j'ai trouvé dans le spawn. En fait, c'est en parlant à un gars qui te fait après, ouais, faire des jobs. Après, tu fais des trucs, t'augmentes du level. Tu gagnes du coup des coins, aussi de l'argent, l'argent que tu as sur toi, l'argent que tu as dans la banque. Franchement, ouais, c'est une belle réplique en vrai de GTA V, c'est pas mal. Après, les stuffs sont pas compliqués, t'as une map dans l'inventaire qui est pas mal. Bon, on sait pas où on est, mais il y a quand même une map, donc c'est pas mal aussi. Voilà, tu peux avoir ton propre gang, tu peux réclame des rewards tous les jours. T'as des votes pour avoir merde, des trucs de livraison et tout ça. Pour les levels d'ailleurs, faut que je les claim aussi, tu vois. J'ai pas claim mes trucs, mais je vais attendre d'être devant un ATM. Parce qu'en fait, si on meurt, on perd la moitié de l'argent qu'on a sur nous, et pas l'argent qu'on a dans la banque. On a aussi un sac privé, donc quand on meurt, on récupère ce qu'il y a dedans, évidemment. Ah, par contre, ce qu'on a sur nous, non. Tout ça, en vrai, je vais les vendre. Ça fera plus d'argent. Ça, mon pseudo. Vas-y, vas-y. Ah merde, j'ai utilisé un. Comment ça marche? On peut même upgrade, t'as vu, des flingues. C'est trop bien. Il y a un système de trucs, c'est tellement stylé. Faut que je garde en fait les flingues parce que je vais en avoir besoin pour casser les voitures. SMG, grenade, MG. Bon, on va rester comme ça. Si tu veux déjà. Enfin, normalement là t'es sur le tuto. Essaye de. Enfin, vois pour le tuto et après vois pour. Tu vas dans le spawn, enfin, tu vas dans la game et tu commences à choper des armes et tout ça. Et après, ouais, tu peux faire des jobs, des missions. Enfin, les missions, j'ai pas trop regardé encore. Je vois qu'il y a les jobs, mais alors les missions, par contre. Je sais que dans le GTA de Shotbo, en fait, justement, on pouvait avoir accès à des missions. On pouvait faire des braquages de banque et tout ça, mais là, je sais pas en fait comment ça marche. Est-ce qu'il faut un certain niveau ou quoi? Je ne sais pas. Voilà, lui, il va chercher la merde. Oh putain, j'ai plus de mine. Allez, viens. Oh. Oh, c'est des blocs qu'on peut pas tirer à travers. Ah, c'est lui qui a les. Enfin, j'espère qu'on peut pas tirer à travers. Parce que là, du coup, je me fais S par un gars là. Aïe 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 aïe! Je sais pas l'arme qu'il a utilisée. J'avais de l'argent sur moi, j'ai pas fait gaffe. Bon. Feu feu feu. J'en suis à quel autre job là? C'est cosmétique. Ah ouais, y a même des skins pour les armes et ça, franchement, c'est. Il est gay, bien avancé le truc. Mais moi les jobs j'en ai déjà en fait. Enfin, on peut avoir plusieurs jobs après, c'est vrai, mais. Ça se trouve, j'aurais dû faire les deux en même temps. Je suis un peu con. Bon, on va prendre directement les deux en même temps. Parce que comme ça va se faire les deux en même temps, ça ira beaucoup plus vite. Ah, parce que là maintenant, faut que je refasse aussi les mêmes. Là, si t'as envie d'avoir les jobs, c'est à ce player-là. Là. Il est juste devant le coin shop. Tu peux directement avoir tes jobs, si tu veux. Ça fera plus d'argent. On va prendre ça et puis on va choper des armes et on va casser des voitures. Hein. Non, j'en ai pas besoin ici. Il y a une caisse, mais j'ai pas de flingue. Y en a qui pop en parachute. Incroyable.
Ah, il me faut vraiment par contre des armes là, je m'en fous moi des munitions. Cinéma employé. Oh, et là un barqueur. Ah, c'est une salle de ciné. Ok, j'avais pas fait gaffe. Pantalon militaire. Oh. Pour tout ce qui est stuff, tu les gardes et tu les mets dans ton backpack. Ce sera mieux. Faut que j'aille dedans. Parce qu'après, pour faire les missions, en fait, il faudrait qu'on voie si on peut faire. Enfin, si on peut justement. On s'équipe, ouais, full combat, tu vois. Genre full truc militaire. Et après, il faudrait qu'on voie si justement on peut aller tabasser des gens une fois. Voir un peu comment ça marche. Parce que je découvre le serveur, voilà, ça fait maintenant 1h22 exactement que je suis dessus. Enfin, 10 minutes de plus, parce que j'avais commencé un peu plus tôt la rediff. Ah, c'est BB-8. Ah putain, enfin un flingue. Ouais, j'en cherchais un qui. Fallait détruire des bagnoles. Ça, c'est combien? 3 étoiles. 3 étoiles, ça me plaît. Il y a combien de. Allez, 3 étoiles, ça c'est fait. c'est des munitions de quoi? SMG? SMG. Oh, parfait, en plus j'en ai. Oh, ça c'est bon ça. Donc là, normalement, ça m'a fait les deux en même temps alors. 80. Ouais, ah, putain, j'aurais dû prendre les deux. Oh, je suis nul. On peut se cacher ou pas? Genre. Fais ça. Là, je suis bien là, normalement. Ah, les cops, ils peuvent plus juste là, quoi. 2 étoiles, ok, ça part. Non. Parachute, j'en ai quand même pas mal, hein. C'est vrai, putain, faut que je le trie, ça. Je l'ai pas trié. C'est dégueulasse quand on trie pas. On va récupérer les trucs comme ça, voilà. Quand on aura une maison, ce sera, je pense, beaucoup mieux. Parce que, alors, sans maison, pour acheter les trucs, c'est un peu chiant. Non, ça, je m'en fous. Ensuite, SMG. Tout ce qui va être la bouffe, ah, ça aussi c'est des munitions. Voilà, SK, j'en ai pas besoin, ça aussi c'est une munition. Les antibiotiques, on peut pas les empiler, putain, c'est chiant. Les grenades. Il y a un truc que. Ouais, les sandwichs, j'en ai un peu rien à foutre. Pour le coup, c'est vrai que ça. Ok, voilà. Et les armes, ça me servirait bien parce que c'est vrai que j'aimerais bien avoir des flingues aussi. Enfin, j'en ai pas beaucoup dans le truc, mais après. Bon, toi, ouais, de toute façon, quand on aura la maison, ce sera beaucoup mieux. Parce que là, sans la maison, c'est un peu galère.
Sniper, je n'en utilise pas. Carabine, c'est les assault rifle et SMG. Plus 7 lui. 4 et lui fait 6,5. Assault rifle, je ne sais pas lesquels c'est. Comme magazine qu'ils utilisent là. Pistole, LMG. Ouais, je sais pas trop. Ah merde, je pense, ça va là. Oh, j'ai pris une place pour rien. Les fusils à pompe, on a le sniper. Bon, ça, alors on va le mettre là au pire, je vais utiliser. Bon, on va faire ça. Ok, on va faire comme ça. Parce que ça fait 16. Et puis on l'utilisera pour encore casser les trucs. Et ça, c'est des SMG. Donc on va s'en mettre 1, 2, 3. Il y a des joueurs là. On va se taper, on va se taper, on va se taper. On va se taper, fuis de là. Mais ça va éclater partout. Hein. Du coup, donc, slash help. Ah, ok, c'est pour Discord. Lui, s'il vient, c'est qu'il a un flingue. Oh merde, j'avais même pas rechargé. Oh, je suis con, j'avais même pas rechargé. Le cinéma, il est ouf. On va lui mettre une raclée, lui. Évidemment, je crois que je suis vraiment pas à côté, hein. Je suis clairement pas à côté, hein. Ah dommage, on sait pas où est-ce qu'on est mort par contre. Ah bah tiens. Bah tiens. Ah bah en plus il me shoot. Ah bah alors ça c'est dégueulasse ça. Il me shoot et après voilà. Oh y a peut-être des étages là. Ah merde, je suis en combat. Les maisons, parfait. 40... Ah, 45 000, mais il n'y a que 6 chests. Ouais, c'est pas ouf, hein. Ça, c'est pareil. 6 chests, ok. Et ah, oui, là, il y en a 8. 60 000. Ok, en fait, c'est vraiment en fonction des chests. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. J'aurais bien aimé une autre maison, qui était beaucoup mieux que ça. Ah non, il a gros les flics. Ça va pas ça. Gassé ça. Ouais. Oh, qui? La flic, la flic. Essaye de semer les flics hein, parce que sinon tu vas faire que ça. Pas grand chose. Hop, on vend. Tant qu'il y a de l'argent, c'est bon. Merde, je sais pas s'il parlait dans le chat, j'ai pas fait gaffe. Ah, est-ce que là il y a des baraques? Oui. Ah, mais c'est toujours des petites maisons par contre. C'est pas incroyable. Non, là il y a que des petites maisons. Les petites maisons, c'est pas ouf. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il me faudrait des flingues et comme ça on va péter des voitures parce que sinon on va jamais avancer dans la quête. Hop hop. Casque militaire, je sais pas si j'en ai besoin. Bon, c'est bon. C'est quoi ça? C'est nul. Vous êtes nul, monsieur. Ça sert à rien. Non, ça on va garder.
Hop, hop. Et ouais. Des maisons, là. Oh, ça me plaît par contre. 90 000 pour 12 chests. Ah, mais y a vraiment aucune. Ah oui, mais non, en combat, on peut pas utiliser l'ascenseur. On peut pas utiliser l'ascenseur quand on est en combat. Eh oui. Eh oui, ça marche pas comme ça. C'est vrai qu'on finisse les deuxièmes. Putain, mec, il y en a, il fout du bordel partout. Allez, on va tout récupérer. Et là, on va. Hop. Et ça, on jette. Non, il n'y a pas d'autre job. Pour montrer qu'on a 40 000, on va déposer notre thune. Genre, hop, voilà, on a 40 000. Ah, mais c'est vrai que je peux mettre des trucs là-dedans. Ouais. J'avais complètement zappé. Je suis au spawn, je suis au spawn. Non, ah non, ça marche pas, ça. Antoine. Attends, mais pourquoi ça marche pas? Ok, mais je suis sur le. Ah bah, ok, nickel alors. Mais je sais pas pourquoi ça marche pas en MSG. On va foutre des militaries, on va les mettre dans le coffre. Parce que j'avais pas encore besoin. Parachute, c'est pareil, on va mettre ça aussi. Ça, on va mettre les flingues, parce que les flingues, je m'en sers pas. Allez, hop, tout ça part là-dedans. Voilà. Parachute, c'est pareil, les flingues, c'est pareil. Ça aussi. On va mettre la moitié de tout ce qu'on a aussi, je pense. Même plus que la moitié de tout ce qu'on a. En sécu. Voilà. Et comme ça, quand on aura une appart. Enfin, un appart, parce qu'une appart, ça ne dit pas trop. Quand on aura un appart, comme ça, on pourra mettre. On aura directement ça, en fait, un vault. Donc ça nous permettra directement d'avoir plus de trucs déjà. Voilà, déjà ça fait plus de place, on pourra avoir. Parce que sinon, c'est un peu la merde. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, faut continuer à casser les. Ah ouais, merde, faut que je claim. J'ai pas claim mon argent, c'est vrai. C'est dans quoi? Non, pas cosmétique. Respawn kit, shove tips, ok. Drop item, alors c'est. Non, mais drop item, c'est bien comme ça. Reward, ça? Non. Putain, j'ai pas trouvé où c'est. Level, voilà. Donc là, on claim nos 10 000. Et. Reward for level. Ah, mais ça claim directement tout. Comme ça, c'est cool, ça, par contre. Donc là, on a 20 000. Hop là, 20 000 qu'on va directement mettre à la banque. Ça nous fait 60 000. Vas-y, va tester le mining dead. Je pense que je vais le faire, mais un peu après. Là, pour l'instant, c'est vrai que je suis bien sur le GTA. Oh putain, une voiture 5 étoiles. Oh, lui, je vais péter. Faut que je la pète. Faut que je la pète, faut que je la pète. Je sais pas si j'ai. Non, merde, j'ai pas gardé de flingue par contre. Ah mais est-ce qu'on peut la casser comme ça? Va mettre un peu plus de temps, je pense. Par contre, je sais pas si le son du jeu avec avec ça c'est fort. Oh putain, mais y a pas de flingue. Oh, il y a des grenades. Alors les grenades, ça fait pas venir les flics, je pense. On va utiliser toutes les grenades pour péter la voiture. Oh non, ça a pas marché. Non, ça a pas marché. Putain, mais il y a des fois ça marche, il y a des fois ça marche pas. Oh non, oh la merde. Ah ouais, mais là j'ai volé carrément le véhicule, moi je voulais pas. Ah mais va semer les 5 étoiles.
Ah, il y a même les clébards. Par contre, le clébard qui va plus vite que la voiture. C'est nouveau ça. Mais le chien va plus vite que la voiture, c'est n'importe quoi. Bon, on va se barrer de là par contre. Parce que c'est bien, bien gentil là, mais. Aïe. Enfin, après, peut-être que si j'explose la voiture, par exemple, une voiture 3 étoiles, il y a peut-être moyen qu'en fait que j'ai les 3 étoiles. C'est peut-être aussi ça qui rentre en jeu. Bon, l'avantage c'est que du coup, là, ça me permet de. De bouger ma souris où je veux. Mais qu'est-ce que tu veux, je m'enfuis de là. Oh là, tu penses on peut y aller? Vas-y, on y va, on y va, on y va, on y va. Ah, il y a des nouveaux jobs au spawn. Ok. J'aimerais bien, mais d'abord, j'aimerais bien péter ce véhicule qui vaut je sais pas combien d'argent parce que c'est 7000 et. Bon, attention, si j'ai les deux quêtes, ça vaut plus de 6000$. Hein, clairement. Non! Non! Elle est coincée! Attends, ça va la casser, mais du coup, c'est peut-être pas moi qui vais la casser en fait. Faut que je me barre à part. Ou alors ça va exploser, je vais mourir. Ouais, c'est plus ce qui s'est passé. Je voulais mettre tout dans le sac, mais je pense pas que j'ai eu le temps. Non, j'ai sûrement pas eu le temps. Ok, c'est quoi le nouveau job d'ailleurs, on va aller voir. Destroy, on prend et visite airport, on prend aussi. Ah ouais, mais là, ça, on va être blindé de thunes en fait en faisant ça. Oh là là, ça c'est bon ça par contre. Jobs, visite port. Ah, enfin, visiter, ça va changer toutes les 5 minutes quoi. Ah bah j'ai visité, ça y est. Ça me donne 5000 directement sur le compte. Ah non, là c'est dire. En fait, ouais, les jobs par contre c'est directement sur nous, c'est pas les comptes. Hop. Il casse les vitres. Que je mette directement l'argent sur mon compte. En payant des frais, je m'en fous. C'est les maisons ça, tu penses? Non, c'est pas les maisons. Ah merde, mais il y a quelqu'un là. Ou alors il est dans l'autre. Est-ce qu'il est dans l'autre bâtiment peut-être? Oula, non, non, non. On remonte, on remonte, on remonte. Je crois qu'il est sûrement dans l'autre bâtiment. Ouais, on va faire ça. Voilà, on va reculer. C'est lui qui pète les trucs ou quoi là? Bah j'ai pas confiance, on va tout mettre dans la banque. Voilà, 250$ de frais, c'est bon, on va pas chier. Hop, ça en range, ça en range, ça en range. Les melons, j'en m'en fous, tu peux me tuer avec. Putain, mais c'est lui qui pète toutes les fenêtres ou quoi? Ah, il est là. Me pousse pas, hein. 45 000 pour une petite maison. Intéressant. Il apparaît dans le chat ou quoi? Bon, j'ai l'impression. Ça c'est. Bon, ça c'est aussi. Okay, bon. C'est des petites maisons, ça. Moi je voudrais un peu plus grand quand même. Ouais, ce seront que les petites maisons. Ah, c'est dommage. Juste pour y monter, bon. Peut-être pas la meilleure des choses. Il faudrait que je détruise des trucs, là. Ah, mais on était déjà là, c'est le quartier. C'est là où l'autre, il nous a tués dans le ciné, là. Oh, mais pourquoi tu me suis, mec? Je te connais pas. Ah, oh. Oh. Et qu'une porte. Mais c'est quand même une maison. 60 000, ça c'est un élévateur. Ah ouais, il y a d'autres maisons en plus.
Ah, c'est pas mal. Hop. Excuse-moi, j'ai envie de hop. Merci. 8. Ok, je vois le truc, mais. Hop. Bon, bah hop, tout en haut. Ouais. Ah, bah on est tout en haut. Ah, c'est tombé. Hein. Ouais, bon, bah on donne. Pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Question. Qu'est-ce que t'en penses du Mind Z? Enfin, du Mind Z, du Mining Dead. Comment est-il? Qui vous? Elevator up. Ça, je crois que j'avais déjà vu ces maisons-là. Et tout en haut, c'était une putain de maison, ouais. Non, c'est juste une classique. Ok. Bon. Bam, bam, bam. Il revient. Arme facile à trouver et stuff aussi. Et est-ce que le design, il ressemble un peu à celui de GTO ou pas? Merde. D'accord, donc bah ouais, bah finis-moi, hein. Clairement j'ai rien sur moi, je m'en fous. Par contre, voilà, c'est vraiment le mec, au début il faisait gentil, et puis après, il me casse à la gueule. Mais on a un sac derrière nous? Ah, ok, que quand on a le truc, d'accord. J'avais rien de spécial, ça peut collectif, mais en vrai ça va. Ok. Pourquoi j'ai ça? Je m'en fous de ça. Lui, il a pas de job. Non. Bon, ça sent bien qu'on fasse les jobs, hein, par contre, parce que depuis tout à l'heure, je suis dessus et ça avance pas tellement. Destroy, 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 destroy. Hein. Vraiment que ça à faire. On a 65 000. On a bientôt ce qu'il faut pour acheter la maison. C'est un jeu, ça. Un peu rien à foutre moi du jeu, moi je veux péter les voitures. Alors je sais pas s'il y a que comme ça comme matériel qu'il faut casser. Une grenade à... Bon, si j'en ai qu'une, c'est un peu con de l'utiliser parce que je sais très bien que je vais pas casser la voiture. Par contre, ça c'est différent, il y a peut-être moyen que je pète la voiture. Un fusil à pompe, j'ai des munitions de fusil à pompe, mais j'en ai pas tellement beaucoup, mais ça me fait un peu chier de les utiliser, donc on va pas les utiliser. Faire ça, on va faire ça. Sortir même pas 10 minutes, j'ai trouvé 5 armes. C'est vrai que sur le GTA, c'est un peu pareil, les armes elles sont quand même faciles à trouver. Après, faut voir si aussi le. Merde, genre comment... Enfin, moi j'ai toujours pas testé donc je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais faudrait que j'essaye aussi. Pour voir un peu si ouais ça peut être stylé à faire ou pas. Non, on va pas prendre ça. Non, en vrai je m'en fous là de vendre. Ça on va mettre aussi. Mais c'est une maison ça, non? Ah si, ah c'est même un gang house. Putain, ça va coûter des millions, je suis sûr, ce truc. Là, il y a un McDo, il y a sûrement des caisses. Cinéma employé. Ah, il fait rien le cinéma employé. Franchement, il est employé à rien. Là, on a quoi? On a rien de spécial là, ok. Ah ouais, c'est les grandes salles de ciné, quoi. Pas de stuff, y'a pas de stuff. Là, y a un stuff ici, mais il faudrait casser la vitre. Ah, chose faite. Ça sent les apparts, non? Ça sent les trucs à maison, ça.
sur mon ascenseur pour redescendre. Voilà. Et peut-être que ça va nous rapporter. Oh, il y a des hélicos! Ah ouais, putain, chaud, j'avais même pas capté qu'il y en avait. 402 000 pour 47 coffres. Ah, il a. 400... Non, bah, de toute façon, 400 000, je vais pas y arriver. Mais vraiment, 47 coffres. Ah ouais, pour ça, ouais. Pour ça, c'est pas mal. Privat appartement, 16 coffres. Oh. Non, là, ça rend que les privat appartements, sûrement. Putain, un lance-grenade. Un matos militaire, on va pas le mettre. On va le garder sur nous-mêmes. Hop, hop, voilà. Comme ça, on aura un coffre où on sera équipé que de matos militaire. Ça, ce sera pas mal. Là, on a les fusils à pompe, on peut aller casser. On peut aller casser les voitures. Grenade. Parce que ça faut acheter des grenades hein, pour l'utiliser. Gun upgrade et gun shop. Ça sent combien? 1600. Mais ça peut être mieux si on l'utilise pour les voitures. Avec assez. Ah voilà, des voitures, des voitures. Il y en a 6. Vas-y, on va voir ce que ça va donner un peu. Non. Pas que ça marche comme ça. 200 000 celui-là. 200 000 pour 26. Et lui, je passe. Ah oh! 100 000. Oh attends, attends. En plus, on est au-dessus d'un truc à gun. Ah franchement, ici, c'est sympa. Hop, faudrait que j'essaye de garder les coordonnées de ce truc. Comment je pourrais faire? Merde, y'a rien pour. Y a pas de notes, quoi. Ah zut! Va noter les coordonnées quelque part. Et je vais essayer de garder ça sur moi. 416. Salut Wesh la Street 003. Comment vas-tu? 416. Bon, les Y, on s'en fout. Et moins 298. On va mettre moins 300. Hop, on va garder ça pour nous. Ok, voilà. C'est vrai qu'on achète du coup cet appart. C'est vrai qu'il est pas mal. 100 000, je suis à 65 000. Et avec mes jobs, ça ferait 7, alors 7 000, 7 000, 6 000 et 7 000. Sur du 7, 14, 21, 20. Ouais, on aura, je pense qu'on aura assez. Ça va bien, ça va bien. Bon, alors normalement, faut pas se chier, on fait. Mais non, mais ça part gavé loin. Comment je suis posé faire pour casser ça, moi? Bon, si on fait comme ça. Ah, ok, voilà, je pense qu'on l'a. On l'a eu ou pas? Même pas. Oh, c'est dégueulasse. Oh, je sais pas utiliser mon jeu. Vas-y, attends, je te mets le nom du. Deux secondes. Hop. Ouais, je vais mettre la prochaine fois, je pense, le point d'exclamation. Custom commande. Mettre serveur. Hop, voilà, commande ajoutée. Ça, c'est juste un GTA. Ça reprend en fait tout simplement le. Non, ça reprend tout simplement bah, le un GTA V version Minecraft. Et qui reste quand même pas mal évolué pour le coup. Je m'attendais pas à ce qu'il soit autant bien fait que celui de Shotbo. Ça, du coup, j'en ai plus besoin. Alors, on va faire ça. Et ouais, c'est vrai que c'est juste avec des packs de textures et franchement. Franchement, c'est vrai qu'il est pas mal, hein, quand même.
On a une petite map sympa et tout ça. Il y a bah, le téléphone qui a bien évolué. Il y a plein de trucs sympas. Il y a des jobs et tout. Il y a des hélicos. Pour l'instant, les missions, j'en ai pas encore vu. Je sais pas encore comment ça va marcher. Non, c'est pas ça. Attends, mais comment on casse la voiture? Je pense qu'on peut le faire comme ça. Je me suis totalement chié. Tiens, je te vends ça, j'ai plus de mine. Alors, je pense que les flics ils peuvent pop ici, hein, c'est sûr. Normalement, si je mets comme ça, ils ont sûrement une portée pour éviter que qu'ils me touchent. Sur ce serveur, t'as pas que du GTA en fait, t'as aussi bah, comme l'IP du The Walking Dead, t'as un genre de Star Wars à ce que j'ai vu, il y a aussi un Pixelmon. Il y a un Tony et il y a autre chose, je sais plus ce que c'est. Mais y a, en fait, il y a pas mal de jeux qui sont diversifiés. Et c'est vrai que c'est pas mal. 145. Ah non, ça, ok, c'est juste au-dessus des. Non, en vrai, j'aimerais bien prendre l'appart à 100 000 là, tu vois. C'est sympa à faire. Mais des escaliers? Ah non, ça doit être à l'extérieur, je pense. On va patienter, on va sneaker pour éviter que les joueurs y viennent. Il nous reste un fusil à pompe, je pense qu'on peut péter l'autre voiture. GTA, faut être en 1.12.2. Ouais, là je suis en 1.16.5, donc je peux quasiment. Oh, il y a un joueur là. Je suis en 1.16.5, donc. Non, mauvaise touche. Donc, ouais, du coup, je peux utiliser. On peut aller en fait sur tous les trucs. Et pour Pixelmon, il requiert un. Bah, le mode pack. Qui, je pense, est tout à fait normal. Je vais essayer de me grouiller parce que j'ai pas envie de me faire plomber par lui là. J'ai foiré. Se mettre là. Hop. Ok, lui vient pas. Parce que je suis si bien, je suis un peu dans la merde. On va faire ça, on va vendre lui. Hop. Là, en gros, c'était les jobs. J'en ai encore complété. Il faut que je détruise en fait du matériel. C'est des jobs que des gens demandent. Enfin, des PNJ, je veux dire. Et en gros, ça te permet justement bah, de gagner de l'argent en fait en faisant les jobs. Là, tu vois, je peux trouver un ATM aussi pour machiner de l'argent dessus. Salut Capri, comment vas-tu? Mais le problème c'est qu'en fait si. En fait là depuis le téléphone j'ai 5% de frais. Bon là ça m'a coûté 415 pour le coup. Mais après sinon faut que je passe par un ATM pour pas avoir de frais et. Je vais pas passer par là. Ça va bien, ça va bien. On est sur un super serveur GTA V. Enfin qui ressemble du moins à GTA V. J'ai peur, j'ai peur, je sais pas s'il si va me casser la gueule. Je vais vite redescendre, hein. S'il monte, je. Je vais vite redescendre. Non, ok, c'est bon, ça arrache. Ah ouais, c'est délinquant simulateur. Tout à fait, voilà. Mais là, pour le coup, ouais, j'essaye en fait de. J'ai un appart à. Lui, là. Lui, j'aimerais bien l'avoir. Enfin, les deux, même d'ailleurs, ils sont à 100 000, hein. Ah non, ah oula, non. Lui, il est moins cher. Lui, tu vois, t'as 14 coffres et. Ah, il n'y a pas de vault. Merde, j'ai pas vu ça. Le Volt, c'est un genre de coffre de lander qui nous permet en fait d'avoir un under chest. Et c'est vrai que c'est cool parce qu'on peut avoir en fait sur plusieurs maisons. Enfin, comment dire. Partout où on va, en fait, on peut avoir notre truc. Sinon, faut retourner dans spawn. Et le problème, c'est que si on a une maison, je sais pas si on peut justement. Genre se TP à la maison du spawn ou quoi. Ça faudra qu'on teste parce qu'au pire, s'il y a juste à se TP, ça va. Mais bon, bah, ça risque de prendre un peu plus de temps. Mais en vrai, ça serait pas mal. Parce que là, il y en a un, non? Non, là, il n'y a pas de Volt non plus. Ah ouais, ça j'ai pas guetté par contre. Les vaults, ça rajoute un coffre en plus et c'est vrai que ce serait pas mal d'en avoir un. Comme ça évite de retourner à chaque fois au spawn pour caser 402 000. J'ai pas 402 000 moi. Ah c'est dommage, putain, pour 100 000 il y avait quand même pas mal de. Ok donc voilà, ça je peux voler la voiture parce que bah il n'y avait pas marqué comme quoi j'avais des étoiles. Donc ouais, si on braque des étoiles, si on braque des voitures en fait on a des étoiles aussi bah, comme dans GTA. Par contre, voilà, donc là c'est marqué là.
Et les flics, c'est vrai qu'ils mettent quand même pas trop de temps à arriver. Hein. Pour le coup, c'est vrai qu'ils vont vite. 1700, 1700 et 3000, ok. Bon, encore que je détruise des petites voitures qui me permettront de gagner un peu plus d'argent. Il y a un hélico là-bas. Oh putain, un machine gun. Je vais prendre l'appartement juste en face de celui à 100 000. 200 000, mec, hein. Moi, là, je fais les jobs justement pour essayer d'avoir quelque chose. Là, on peut semer les keufs, là. Tu vois, ça, c'est cool. Ah oh, oui, des trucs. Les bandages aussi, on va les garder. Parce que suivant, en vrai, les attaques qu'on peut faire, c'est toujours sympa de se heal, hein, tu vois. Mais pour l'instant, je sais pas encore s'il y a des missions ou quoi. J'ai pas trop regardé, je me suis pas trop penché là-dessus. Il y a déjà des jobs, c'est pas mal. Je sais pas, parce qu'en fait, le truc de l'appart, c'est que. Moi, j'aimerais bien avoir le vault. Tu vois, c'est vraiment un truc que je voudrais avoir. Genre, pour avoir un under chest, tu vois, on... Voilà. Pour avoir un under chest, ce serait cool en vrai. Donc là, avec le machine gun, du coup, je vais... Les slimes, là. Je vais pouvoir, du coup, péter la voiture. Donc voilà, ça va encore me coûter... Ah non, du coup, ouais, ça va me permettre de... Ah bah du coup c'est sympa, j'ai pas eu d'étoiles, ça c'est bon ça. Et dans les jobs, un permis, voilà, de monter encore un peu. Cool. Non ouais, je vais continuer à économiser du coup. Je trouve en fait un appart où il y a pas mal de... Il y a un peu de teuf, mon jeu. Faut que je trouve un appart en fait où on peut avoir un vault pour le coup, et plusieurs coffres. Ça va être cool. Ouais, donc l'appart que j'ai trouvé c'est dommage. Ça. Bon, ça c'est juste des bottes classiques. Ah, il a pas chargé. Ah. Ah ouais, donc ça c'est des petits apparts pas ouf hein, par contre. Hein. 45 000 pour 6 coffres, bon. Ah, on est au maximum et il y a que ça. Ok. Putain, mais juste un clic, ça fait genre 4 tirs quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah ouais, c'était mieux de faire ça, ouais, pour le coup. Ah, il y a un coffre. J'ai pas vu. Je sais pas si on peut le télécharger manuellement, le pack de textures. Ça, j'ai pas regardé. Je suis passé directement par le serveur. J'ai oublié de poser ça. Voilà. Parce qu'en fait, en matériel, je trouve que des voitures. Enfin, je sais pas quoi casser en fait pour gagner de l'argent avec du matos. Donc pour l'instant, je passe que par les voitures. Hop. Sniper, on va le garder. Non, on va justement pas le garder. Ça, on va essayer de s'en servir. Bon, comme ça. Il y a encore des caisses. Alors normalement ça peut faire des dégâts à celle qui a de... Enfin, celle qui est à côté. Ok. Est-ce que j'ai le temps pour casser celle-là? Nickel. Donc là ça... Par contre ouais, l'argent je l'ai directement sur moi. Hein, si... Donc ça serait con que je me fasse buter parce que là on perd la moitié. Donc quand t'avais 20 000, enfin ce que j'ai eu tout à l'heure, du coup j'avais vu 20 000, je suis mort, je suis retourné à 10 000. Hop, on dépose, voilà. 5 000, ok, là on y est presque, on vient de... Oh là. On a bientôt complété cela, et ok, il reste une étoile. Machine gun on peut encore utiliser, et ça aussi. Ok, nickel, nickel. Les jobs, je sais pas combien... Ça, je pense pas que ce soit toutes les heures. Ou peut-être que si, en fait, il y a moyen que ce soit toutes les heures qu'ils en pop. Au spawn, c'est au spawn qu'on les voit.
Il y a une voiture. On va se la faire, la voiture, on va se la faire. Oh, c'est nul ça, on peut pas se mettre dedans. 6000 et c'est rien que j'explose une autre botte. Ah merde! Bon, j'ai déposé le fric avant que je crève. On est à 86 000. Ça, c'est pas mal ça. Il me reste lui, donc là j'explose encore une voiture et c'est bon. Heureux! Bon, alors, on va stopper brusque hein, le live. Je suis désolé, mais il y a un petit problème en fait. Bon, il me restera cette quête à faire. Voilà, en tout cas, bon, ça c'est bon. On fera la quête du coup un peu plus tard. C'est pas grave, on va la finir. On va la finir, on va la finir. En tout cas, la rediff YouTube, bah, ça s'arrête maintenant. Hein, voilà, elle sera publiée normalement demain dans l'après-midi sûrement. Voilà, ciao YouTube, ciao, ciao.